Bonjour, bonjour et bienvenue, on est de retour. Il y a un peu de bruit, on est en face d'une cascade. Donc, on peut encore se reposer. On peut encore se reposer un tout petit peu. En tout cas, bienvenue. On est... Alors, on est là. On est ici. On est ici. On a fait tout ça. On a fait tout le chemin, en fait. Jusqu'au bas, là où il y a une réserve de provisions et tout ça. On a trouvé une balle de fusil. On a trouvé quoi d'autre? Ah, beaucoup de massettes. C'est surtout des massettes, en fait. Ouais, c'est surtout pour ça qu'on est descendu, honnêtement. On a trouvé quelques petits trucs en plus, mais je crois que c'est surtout des massettes, au final. Ah oui, oui, une boîte de café. Donc on a 5 cafés en plus. Ouais. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'était pas une méga trouvaille. C'était pas une méga trouvaille, j'ai envie de dire. Mais bon, ça fait passer le temps et puis c'est cool. Est-ce qu'on pourrait peut-être récupérer un petit morceau de viande? Ou pas. Waouh, c'est peut-être pas vraiment utile. On va dormir. On va dormir encore un peu. Le temps d'être vraiment à fond. Et après, on prend la corde et on s'en va. Enfin, on va faire le tour vite fait encore. Ok, très bien. Ah oui, c'est bien protégé. Hein. Ah ouais, non, c'est bien protégé, ça. Ouais, le feu est pas mal ici. Bah, si vous cherchez un endroit, je pense que ici c'est... Je pense pas que ça soit protégé à 100% de tous les côtés, hein, mais ça a l'air d'être pas mal. Donc ça, c'est cool. Alors, très bien. Est-ce que ça sèche? Encore? Eh oui, parce que j'ai touché le froid, du coup... Et oui, j'ai touché le froid. Et du coup, ça remonte pas. Putain, qu'est-ce que c'est chiant ce problème. Enfin bref, c'est pas grave. On va y aller. On va peut-être prendre des torches. C'est pas comme si j'en avais vraiment besoin, mais... Est-ce qu'on prend un café ou un truc comme ça? Je pense pas qu'on en ait besoin. Alors j'ai des vieux cafés que j'avais pris la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré. J'avais des très très vieux cafés que j'avais pas touchés. Ah, techniquement on n'a pas besoin, techniquement on n'a pas vraiment besoin de ça. Est-ce qu'on va pouvoir garder la torche? C'est un peu haut. Hein. C'est un peu haut. Est-ce qu'on le fait en une fois? Je pense que c'est mieux. Ouais. Ah, ça va, elle a pas ralenti une seule fois, donc très bien. Parfait. Alors maintenant, j'ai envie de dire, on va prendre la corde. Là, on va la ramener. Parce que la corde ici, en fait, est pas vraiment intéressante. Donc du coup, autant la ramener. Et ce qu'on va faire, on va la prendre et je pense qu'on va la mettre au rocher au rocher là-bas, pardon. Je pense qu'on va le faire.
Bon, c'est tranquille. Oh bah, c'est super bien passé. Ah, trop bien. Elle est où la torche? Ah putain, il y a toujours ce... Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose de garder le feu? Pas vraiment. Bon, techniquement, on n'en a pas vraiment besoin, j'ai envie de dire. On n'a pas besoin de faire du feu. Ah, quoique, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est faire cuire les loups qu'on a tués. Là. Ah oui, on peut faire ça. On peut faire un feu à l'intérieur. On peut faire un feu. Ouais, on fait comme ça, on a de la nourriture. Parce qu'on a techniquement plus de viande en avance. Je crois. On en a un et on en a deux là-bas. Deux et peut-être un là sur le côté aussi, je crois. Debout. Donc à la limite, on peut faire ça, ouais. Autant en profiter, autant maintenir la torche. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas un sur les côtés. Oh, je sais plus. Très bien. Voilà, parfait. Ouais, là c'est pas mal, c'est sympa. On va aussi faire cuire l'eau là qui est sur la gauche. Enfin, bouillir l'eau, pardon. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bois? On va mettre celui-là. Celui-là. A chaque fois que vous entendez la tung tung là, le bruit de comme quoi c'est une erreur là. Genre ça. C'est parce que je fais tab en fait pour sortir des menus. C'est une habitude d'un autre jeu. Je suis sûr que vous avez compris lequel. Et ça marche pas dans tous les. Pas dans tous les menus, du coup ça me perturbe, mon cerveau il comprend pas. On va prendre ça, ça, ça. Très bien. Là, on va mettre... Non. Très bien. Ok, nickel. Oh, putain. C'est pas très froid. Non, attendez, parce que faut pas que je dépose trop de choses, parce que sinon ça va déposer les cuits là, au potable. Très bien. Non. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, je voudrais aller récupérer du coup la boîte. Mais dans un sens, je me dis que peut-être que la boîte, on peut aller la prendre. Ah non, il faudrait revenir le mieux, honnêtement. Mais je peux pas laisser quelque chose cuire en fait, ça va brûler le temps. Le temps qu'on fasse tout le tour, ça va brûler. Comme ça là, non? On n'est pas très très lourd. Je pourrais courir un peu. Ah, le bruit que ça fait, qu'est-ce que c'est fort.
Alors attends. I'm not sure I can carry much more. Ça. Ok, bon déjà on a fait cuire un morceau de viande, c'est déjà ça. Si on en perd un, c'est pas très très grave. Il y a encore 3 loups au moins, 2 ou 3 loups à faire. Donc c'est pas grave, grave. Parce que je crois pas que ça soit très très loin. Je dis pas de bêtises, donc c'est sur notre côté gauche et après faut descendre et après revenir. Et nous on va installer la corde. Je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose d'installer la corde, mais au moins on pourra descendre rapidement. Donc voilà. Tout simplement. Puis si jamais on veut prendre la corde, il y en a une là. Pas froid, ça va. J'ai mis un morceau de viande dans la poêle parce que du coup, ça prendra un peu plus de temps pour brûler. Honnêtement, si c'est pas le chemin, je vois pas où c'est. Je vois pas du tout. Ouais, tous les gens jouent comme ça, apparemment. Ça doit être là. Ouh, c'est quoi ce bruit de feu là? La torche qui fait ce bruit là? Je me suis perdu ou quoi? C'est un peu plus loin que ce que je pensais en fait. Bon, j'avoue que c'est un peu embêtant là. Je pensais vraiment pas que c'était aussi loin. Ça peut pas être ça, ça serait débile. Faut que je dessine la carte. Ou alors on l'avait vu la boîte et je m'en rappelle plus. C'est possible, hein, parce que ça fait un petit moment en fait que j'ai fait une petite pause. Donc, du coup. Quoique. Quoique. Est-ce que ça serait le chemin qu'on n'a jamais pris? Chier,
Eh, toi, tu mérites une médaille parce que toi, tu t'as vraiment bien fait le tour. Je, honnêtement, je pensais pas qu'il pouvait monter. Mais bon, il y avait un passage sur le côté. J'avoue que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vraiment vu venir, lui. J'avoue. Donc, est-ce que ça serait au bout de ça, du coup? Alors après, j'ai envie de dire que si vraiment on peut passer par là... Oh putain, il y a plein de trucs là. Si vraiment on peut passer par là, j'avoue que ça coupe en fait le chemin énormément. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est lent. Bon, on va peut-être les prendre après, du coup. Si jamais on peut vraiment passer par là, ça coupe le chemin, je suis d'accord. Non, ça a pas l'air d'être ça. Ah, mais je suis déjà venu. Non, c'est pas ça. Bah, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien du tout. J'avoue que... Ou alors c'est par... Ah là là. Bah mince alors. On va rentrer. Bah, j'avoue que ça m'embête un peu là. Parce que j'ai vraiment envie de trouver cette boîte. Même si je sais que ça va vraiment être... Ça va pas vraiment être le truc le plus intéressant au monde, hein, mais... Mais j'étais persuadé, en fait, de trouver, d'avoir trouvé l'endroit, en fait, de savoir comment passer par là, mais en fait, non. Ah, du coup, je l'ai un peu fatigué. Ah, ça m'embête ça. Là aussi on a pas mal de massettes à prendre. Après on a... C'est vrai qu'on a aussi les côtés là de ce côté là-bas. Là. Il y a les, il y a des petites... on va dire des petits couloirs. Potentiellement avec des... Ouais, j'ai envie de dire avec des branches à récupérer, des choses comme ça. Ouais, peut-être qu'on le fera aussi. Mais après, comme j'ai dit, tout ce qui est branches, j'en ai pas vraiment besoin. Bon, faire gaffe sur le chemin, il y a des loups. Enfin, il y en a un, au moins. À la limite, on va devoir repartir. C'était peut-être le premier endroit où je pensais. C'est-à-dire que c'est au niveau de la grotte, en fait. J'avais un moment sur quand on était devant la grotte. Genre là-haut, là. Ici. J'ai dit... sur la droite, ça continue et tout ça, et ça fait tout le tour. S'il faut, c'est là. Ça m'embête un peu, c'est un peu loin. Mais bon. On pourrait peut-être passer la nuit et y aller... Vous voyez là par exemple on peut aller à gauche et à gauche il y a potentiellement des choses à récupérer. Mais bon ça sera peut-être quand on partira. Histoire de récupérer des objets supplémentaires. Ah, des ressources supplémentaires. Ok, le loup il est là. On va peut-être s'en occuper du loup parce qu'il m'énerve lui. Il est un peu sur le chemin, il fait la droite-gauche, ça m'embête. Oui, parce que là, il y a des champignons. Je crois qu'il y a des lapins. Mais il y a pas mal de champignons. Là-bas, ça doit sûrement être carcasse d'un cerf.
Donc ouais, ce serait une bonne chose aussi. Oula! Je sais pas par où je passais. Bon, on va sûrement revenir à notre feu. Deux morceaux de viande brûlée, ça va être cool. Après, comme j'ai dit, c'est pas extrêmement important. On en a plein vu. De la nourriture qui traîne. C'est quoi que j'ai entendu? Je pense qu'il y a des oiseaux dans la pente là. Là-bas. Que 3 kilos sur toi. Il n'y en avait pas un qui était... genre un peu caché par les herbes. Peut-être l'autre côté. Ou alors il a disparu, j'en sais rien. J'aurais dû déposer la corde, je... Encore ? Ça en fait des lois. Ça en fait beaucoup. Kilos, 52 même. Pas le même inventaire, c'est horrible ce système. Aïe, 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 aïe. Allez. Ok, on est quasi full. On est quasi plein. Ok, très bien, on s'est retapé une petite santé. Nickel. Alors on a quasiment rien utilisé. On va déposer la corde, parce que c'est vrai que ça fait lourd. On va la mettre juste là, pour se rappeler de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, du coup, on n'a rien ramassé. Ça, si, des racines à la limite. Pas vraiment très très intéressant.
C'est pas grave. 1h30. Quoi? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon. On va retrouver une technique, une stratégie là pour y aller. Ah, je dirais faut monter par genre super loin là. On va regarder s'il n'y a pas des oiseaux là-bas. Ça nous fera toujours des plumages en plus. Ça c'est pas mal les plumages. Putain, je peux pas passer là. Si. J'ai entendu des cotes-cotes. Alors les cotes-cotes, normalement c'est oiseau. Oh putain, c'est la merde. On va voir. Si. Leur bruit est sympa. Je sais pas, je trouve ça marrant. Ça me fait sourire. Elles reviennent ou pas? Ah. Merde. J'ai merdé, j'avoue. J'ai tiré trop bas. Le sentais venir en plus, le trop bas. Voilà, pas mal. Parce que les duvets, c'est quand même... Alors on va dire que ça court pas les rues, hein, ces oiseaux. Faut les trouver à chaque fois. Hein. Quand même les trouver. Hein. Sûrement les... j'ai envie de dire les animaux les plus rares. Après, il y a les élans aussi qui sont rares, mais... Non, ouais, peut-être pas les plus rares, les... mais bon. Embêtant, on va dire. Embêtant à trouver. Après, le problème, c'est que... L'élan, bon... Une fois que tu l'as trouvé, il bouge pas, quoi. Puis c'est... si t'essayes de le bouger, il va s'énerver. Alors que là, tu leur fais peur, les machins, ils reviennent pas, hein. Je passe par là, moi. Voilà. Bon, bon, maintenant on a beaucoup de choses. Oh là 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 là. Que je fais, moi? Je peux pas vraiment me balader avec les oiseaux. Je peux pas vraiment me balader avec les oiseaux. Je peux pas... Parce que si je me balade avec les oiseaux, on va puer la barbaque tout le long, donc ça serait un peu débile. Donc faut qu'on récupère les plumes, mais ça va prendre du temps.
Je crois qu'on va rester là pendant encore un petit moment. Je suis désolé, mais... Ouais, je crois que ça va nous prendre encore un petit moment. Est-ce qu'on a sommeil? On a sommeil. Ça, c'est toujours aussi long. C'est tellement trop long. À la limite, la viande en elle-même, j'en ai pas extrêmement besoin. Parce que ça sera pour faire de la nourriture, en fait. Donc, à la limite, c'est pas grave. Mais les duvets, si. Les duvets, c'est les plus importants. Très bien. Est-ce que j'ai encore des loups à prendre? Si, j'ai encore des loups à prendre si je veux. Mais je suis méga lourd. Ah, il est là-bas. On peut pas passer par les fenêtres. On peut pas se défenestrer, s'il vous plaît. Ce serait bien. Dans le jeu. Alors. Oh. Ça c'est quoi ça? Table. Table. Que si on fait un peu d'eau. Ah, on va faire un super camp ici. Hein. Il y aura tout ce qu'on veut. Hein. Il y aura absolument tout ce qu'on veut. Ah, c'était peut-être un peu long là. Ah, ouais. Ah non, ça va. Ça y reste quoi? Ça y reste plus que la viande. Là il reste encore 4 plumages. Non. J'essaye d'aller vite. Hein. J'essaye d'aller vite parce que là c'est vrai que c'est pas super. Par contre, dorme aussi. Toi, il reste 2 plumages encore. Ouais, on va dormir. On va dormir plus longtemps possible. Enfin, une dizaine d'heures, on va dire. Évidemment.
Qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça se calme. Voyez, on a bien fait de faire une petite réserve, honnêtement. Franchement. Petite réserve de nourriture, d'eau et tout ça, on est tranquille. On peut rester là. Très bien, il est allé où du coup? Oh merde. On va dormir une heure, le temps que ça se calme. Le temps. À 2 heures. Vous savez, le temps que ça se réchauffe un peu. Ok, très bien. Alors. Miam, miam. On va manger. Qu'est-ce qu'on fait? On va... Je pense qu'on peut aller... voir où je disais. Ça... Ça pèse rien, mais... On est à 38. On a les plumes, on peut les garder. Les duvets, on peut les garder. Ok. On a 2 litres, c'est très bien. Ok, let's go. On est à 44. Plus on a un beau temps, nickel. Allons nous balader. Quoi, c'est un loup ça qu'on a tué? Ouais. Ouais, du coup faut faire gaffe à l'élan. Et c'est le cerf. Pas grave. J'ai loupé la plume, c'est pas grave. Donc nous on était allé à l'autre ici, mais c'était bloqué. Après on était allé là-bas aussi. Bon après j'ai pas fait entièrement genre là contre le mur. On était allé sous la corde en fait. Donc est-ce que là il y a un passage ou pas? Je sais pas. Après nous on a vu que là il y avait pas de passage. Je sais pas. Honnêtement j'en sais rien. Franchement là on va juste se balader parce que je vois pas vraiment où ça peut être. Après, est-ce que, comme j'ai dit, est-ce que c'est très grave? C'est pas grave. À la limite, je vais sûrement le savoir pour la prochaine fois. Au pire. Mais c'est toujours un endroit que je voulais visiter, de toute façon. C'était sur la droite de la grotte, là, quand on est devant. Voir ce qu'il y a tout au fond. Donc, c'est toujours une bonne chose de visiter. Puis en plus, là, on a un beau temps. Fait pas froid. Ah, nickel. Donc, peut-être même un peu sprinter parce qu'on est quand même fin d'après-midi là. On est à 3 h, j'imagine. Il est à combien là? 51. Ouais, faut faire gaffe. Bien.
Genre là-bas, là. En fait, je pensais dans ma tête que c'était plus loin que ça. Genre de faire le tour, que ça prendrait plus de temps. Mais en fait, non, c'est quand même super proche. La zone n'est pas très grande. Moi, je l'aime bien, cette zone. Pas très grande. On peut se protéger un peu de tous les côtés et tout. Franchement, c'est cool. C'est une des zones sympathiques. Moi, j'aime bien. C'est juste le fait d'avoir beaucoup de loups. Ouais, ça c'est embêtant, ça. Ça c'est embêtant. Si vous n'avez pas archerie assez haut, beaucoup de flèches, un arc, voire deux, parce que ouais, ils vont vite. Nous ils s'usent pas trop vite, donc ça va. Mais ouais, ça peut être dangereux. On a un passage en haut. On a des bois à couper. Je me demande s'il y avait quelque chose en haut. Pourquoi ça résonne? Huh. Ok. Ah, le petit pont. Le fameux petit pont. Il y a des oiseaux juste devant. Ah ah. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend quelques-uns. Juste au cas où. Ah non, c'est bon. Le ciel vent qui se lève. Ces cons, ils pèsent quand même 2 kilos chacun, hein, donc ça va, quoi. On n'a pas encore trouvé l'endroit pour mettre la corde. Putain de merde, m'a fait peur ce con. Pile dans l'œil. Est-ce que c'est là qu'on met la corde? Je dessine beaucoup, c'est pour savoir. Ouais, on se rapproche. C'est pour exactement savoir où on est. Bon, c'est pas mal cet endroit, parce que là, il y a des glands, en fait. Ça, c'est cool. C'est très très bon, très très bon. Mais les glands, ça, c'est les nouvelles massettes, quoi. Tellement bien. J'espère que ça va être encore mieux quand on aura le récipient là. On peut en faire quoi? J'ai oublié. C'est du café, c'est ça? C'est une sorte de café? Je crois. Je crois bien que c'est du café. Ça pèse pas lourd.
c'est juste super. Il y a une boîte là. Ah, ça y est, on l'a trouvé. Bah, c'est la boîte. Je pensais que c'était une grotte en fait, ça, mais en fait non. Bon bah c'est bon, là on doit pouvoir mettre la corde. Ouais, il est là-bas le rocher. Tada! Allez, vas-y, me déçois pas. Déception. Honnêtement, je suis vraiment très très déçu, pas par le, pas par la contenance en fait, mais par les objets choisis dans les containers, dans le sens où ils ont pas de sens. Ça a pas de sens d'avoir des objets comme ça dans les containers, dans des boîtes fermées comme ça. En théorie, c'est des boîtes de personnes qui étaient là avant, enfin j'en sais rien. Je sais pas, pour moi ça a pas vraiment de sens de mettre des objets comme ça, genre des bouts de bois et tout. Genre que les mecs ils mettent des armes à feu et de la poudre et tout ça et des balles, oui. Mais je sais pas. Attends, faut faire gaffe. Alors, l'élan là-bas. Je pense pas qu'il y ait de cerf. Pardon. On a vu le, j'ai vu le cerf là, mais je pense pas qu'il y a l'élan. Donc ouais, je sais pas. À chaque fois, le contenu, il est super, super étrange. Je trouve. Pas très confiant là-dedans parce qu'on voit rien. Ouais, ça va. Un truc, tiens, en parlant de contenant dans des containers. Hein. Le plus gros objet en fait unique qu'on ait trouvé, nous, c'était une lampe torche. J'étais en train de me dire, il faudra peut-être aussi la prendre pour la nouvelle zone. Parce que la nouvelle zone, ça va être des mines. Surtout des mines. Donc, il va nous falloir pas mal... Je peux descendre sans me tuer ou pas? On va faire le tour. Il va nous falloir du fuel, en fait. Donc, j'ai des lampes et tout ça. J'ai des jerrycans et tout. Il n'y a pas de problème. Mais, s'il y a des aurores boréales et qu'on est souvent dans des mines... La lampe torche peut être un très très bon moyen en fait de pas consommer de fuel. C'est ça, j'y avais pas vraiment pensé sur le coup. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est chiant. Mais ouais, j'y avais pas pensé sur le coup. Je sais pas si j'en ai parlé de ça, mais... ça serait pas mal. Ce serait pas mal aussi de prendre la lampe torche. La lampe électrique. Ça peut vraiment nous aider pour économiser le fuel. Ouais, ouais, ça, il faudrait que je garde ça en tête. Il faut absolument que je garde ça en tête.
0%. Ouais, non, là il fait trop. Quoique. Ah, yes, let's go. Trop de vent. Je veux bien tester un truc. Vous êtes prêts? Là, ça va être. Là, ça va être attention. Là, c'est un QI très très élevé, attention. Come on, little fire. Attention. Oh yeah. That's a good one. Elle est pas mal ça là, non? Voilà, maintenant on a on a feu à l'intérieur. Je suis fier de moi, je suis content de moi. C'est très très rare donc là, on prend ce qu'on peut. Hein. Come on, little fire. Hop. C'est vu qu'on a encore des morceaux de viande, autant les faire. Comme ça, on a tac 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 tac. Après, les bois qu'on a trouvés, ils étaient déjà secs. Donc, bon. Allez, on va dire que ça, c'est pas mal. Le fait qu'ils soient des atouts secs. J'avoue que oui, c'est un avantage. Mais bon, encore une fois, le contenant était bizarre. La contenance était bizarre. Ok, on est en train de faire cuire ça, ça, ça. Pour rentrer, qu'est-ce qu'on prend? Bon, les livres, on n'a pas besoin. Pied de biche, peut-être un pied de biche supplémentaire, juste au cas où. On va prendre le Fire Steel. L'allumette, les allumettes, je pense qu'on va les laisser, les 12, là. Je pense qu'on va les laisser. Ouais, on va les laisser. Le fire steel on prend, on va laisser de l'eau, on va laisser les bombes de peinture. On va devoir prendre tout ça aussi, parce que ça sert un peu à rien de laisser des trucs comme ça ici. Honnêtement, le problème de mon camp là, c'est qu'il va être plein. Je crois que quasiment toutes les boîtes, les tiroirs et tout ça, c'est déjà plein. Et honnêtement, ça c'est vraiment un problème, ça devient vraiment un gros problème là. Le camp du lac mystère. Après, vous pouvez me dire, ah oui, mais t'as qu'à tout foutre par terre. Bah oui, mais bon, après, là, on a le problème des objets comme ça, en fait. Et ça, c'est une catastrophe, en fait, à mettre par terre, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, ça m'embête un peu. J'avoue qu'encore une fois, je suis pas très très fan hein, de pas avoir de pas pouvoir créer mes propres boîtes. On les garde, c'est bien. Ah, honnêtement, on est super blindé. Hein. On est super, super blindé. J'ai un peu peur que quand on rentre, on soit en surpoids. Mais non, peut-être pas. Je vais voir un peu. Ça aussi, c'est un truc que j'ai bien fait. Je suis assez content de moi. C'est de prendre le sac de couchage. Celui-là. Le duvet amélioré, là. Je suis assez content de moi d'avoir fait ça. Parce que sinon, on serait tout le temps à plus de 45, en fait. Genre largement. Vraiment largement. Parce que là, on gagne quoi? On gagne 1,90 kg, je crois. C'est ça? C'est 3, là, c'est un 10. Donc, je suis très, très content de ça. Ah oui, et ça, on pouvait en faire quoi? Donc ça, on le mange, ou après, c'est... Je me rappelle plus exactement. On peut le voir là ou pas? Non. Hein.
Ah oui, ça on peut le manger. Ah, on peut le manger directement ça? Je m'en rappelle même pas. Depuis quand? On peut le manger directement. T'es sûr? T'es sûr de ce que tu me dis? Je sais que j'en avais préparé une fois, mais c'était quand c'était sorti. Je me rappelle même plus maintenant de ce que ça fait. Vas-y, on va en préparer un. En plus, j'aime bien parce qu'on peut le faire à la main, alors que c'est, on voit très bien que c'est coupé. Hein. C'est coupé avec un couteau. Donc, enfin bref. Mais je crois qu'il y a que... Attends, ça... Là, ça c'est pour faire quoi? Donc une dizaine de racines de verbin, antibiotiques naturels. Donc je crois que ça, je crois que c'est pareil que ça. Analgésique, non, ça. Antibiotique, ouais. Alors ça, on avait vu que c'était la même chose. Donc du coup, ça sert à rien. Et après, c'est quoi le café là? Putain, je me rappelle plus. Tisane de boulot, non. Faut que je regarde après. Je suis perdu, désolé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé ces trucs-là. Alors fais voir déjà pour manger le machin. Là. Bah non, c'est pas là. C'est là. Ah oui, on peut les manger directement. J'avais jamais fait gaffe alors, du coup. Parce que c'est pas dans la nourriture. Mais attends, mais c'est le seul objet qu'on peut manger là, en fait. Ah bah oui, bah en plus c'est le seul. Parce que ça, on peut les boire... Mais en premier, ça, ce sont des antibiotiques, analgésiques et tout ça. Alors que là, ça peut faire sort en nourriture, en fait. Ça peut faire de la nourriture. Là, en fait, ça fait tout le temps des effets spéciaux. Vous avez... ça va vous soigner, en fait. Là, non. Ouais. Bon, après, où le mettre Bah non, non. Honnêtement, non. C'est faux, ça. Il devrait pas le mettre là, parce que là si je le mens, ça va rien faire. Ça va strictement rien faire, ça va juste me donner des calories, ça va pas me dire genre aucun effet parce que ça essaye de me soigner. Là, ça essaye de me soigner quand je fais ça, quand je bois ça. Ça devrait être dans la nourriture. Et après, une fois que vous le transformez, ça vient là. Enfin, je sais pas, dans ma logique, je dirais. J'en sais rien. Mais ouais, bon, j'avais pas vu. 275 pour 0,15. $0,12 400. C'est pas si mal. C'est pas si mal parce que là en fait on déracine et on les prépare et c'est bon. L'autre il faut les faire bouillir et tout ça. Ouais non c'est ok. J'avais jamais fait attention à ça. Après comme d'habitude hein, c'est pas comme si j'en avais besoin parce que moi j'ai. On a la cuisine au max et tout, donc c'est pour ça que ces choses-là, je fais pas trop attention, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est normal. Hein. Mais d'accord, bah, je garderai ça en tête, en fait. Par contre, c'est quand même méga rare, hein, ça qui est embêtant. Extrêmement rare, ces racines, toujours. On avait où des loups hein. Je crois qu'on en a tué un peu à droite à gauche. Non, c'est pas très grave. C'est un cerf, je pense. Bon, bah c'est très bien. Ah, je sens qu'on va avoir une aurore boréale. J'essaye de réfléchir en fait sur qu'est-ce que je pourrais en faire de ces racines. Est-ce que ça vaut le coup d'en prendre sur soi? Est-ce que non? Par contre, je sais toujours pas ce qu'on en fait là des... Attends.
Les glands, là. C'est où est-ce qu'on voit les glands? Je me rappelle plus du tout. C'est pas dans les trucs préparés. Ah, ok, c'est ça. Ah oui, mais faut que d'abord que je les broie. Ah oui, putain. Oh, putain. Je voulais voir l'effet, en fait, parce que je me rappelle plus de l'effet. En fait, c'est ça le problème. C'est que je me rappelle plus du tout de l'effet. Pourquoi je peux pas faire une grande portion? Ah oui, non, faut d'abord les préparer. Ouais, je me rappelle plus de l'effet. Je crois que c'est comme un café, si je me rappelle. Si j'ai un semblant de mémoire. Je crois que c'est comme un café. C'est pas très grave, vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'était juste que je me posais la question, en fait. Faudrait avoir une encyclopédie, tiens. Ah, ça serait vachement bien, ça, dans le jeu. Quand vous débloquez quelque chose, que du coup, en fait, ça vous pousserait à... Comment dire? À faire des choses, même si vous en avez pas besoin. Par exemple, moi, j'ai pas besoin de couper ça en morceaux. Mais là, je l'ai fait juste pour être curieux. Et du coup, il faudrait une encyclopédie où ça débloque, en fait, tout ce que vous avez fait, en fait. Et ça l'écrit, genre, ça écrit ce que ça fait exactement, précisément, avec, les pourcentages, les trucs comme ça. Ça serait vraiment cool, ça. C'est quoi qu'il nous faut, non? Ça, c'est quoi? La porte d'un bunker. Et ça, c'est... une cache. Je sais même pas si c'est couvert, ici. Je sais même pas si c'est couvert par une radio. Attendez, putain, c'est comment? Oh là là, faut faire tout plein de menus pour aller voir ça. Qu'est-ce que c'est relou. Alors. Alors, Blackrock, Milton, Muskegmore. Transférer quoi la région de Muskegmore, la voie ferrée détruite et la crique lugubre. Nous, on est à la voie ferrée détruite. Hein. La voie ferrée détruite. Ouais, donc oui. Donc techniquement, on peut trouver quelque chose. Part vite. J'aime bien c'est aller là, moi. Quand il y a une aurore boréale, c'est ici. Regardez ici. Oh, le bordel, quoi. Ouais, c'est légèrement dangereux aussi, hein. C'est super dangereux. Aïe, aïe, aïe. Ah, attendez. C'est pas loin. Let's go. Bah, de toute façon, ici, en fait, tu peux pas vraiment... tu peux pas vraiment mettre les choses loin, parce que... C'est tout petit, la région. Ça doit être en haut de la montée. Par contre, j'entends des loups, là. Ils font des bruits chelous. Là-bas.
Par contre, c'est pas là, si. Par où je passe là? Où est-ce que je vais? What the fuck? Le bruit qu'il fait, le machin. Ah, mais attends, j'ai pris la mauvaise pente. Ah, mais j'ai pris la mauvaise pente, j'ai pris la petite pente. Ah merde, du coup il est sur moi. Oh là là, vas-y, remets ta phrase. Sinon il va pas me lâcher. Oh là 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 là. Hémorragie, ça va. Need some first aid. Crie pas, t'inquiète. Je l'ai vu venir, celle-là. C'est bon. Go, on est reparti. Il a mis une flèche. Je savais parce que je voyais monter, descendre, puis celui-là je vais pas l'avoir. Celui-là je vais pas y arriver, je vais pas le one shot. Putain, tout ça parce qu'on s'est gouré de pente quoi. Vous voyez, fais rien. Ce n'est pas grave, tout va bien. Serais-je déçu? Non, serais-je déçu? Non, 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 pas du tout. Ça va, on n'a pas pris extrêmement cher, honnêtement. Rien que le coup de lui avoir déjà mis une flèche et tout ça, il a pas. Il a pas duré très longtemps. Ok, alors du coup, par contre, ce qui me fait peur, c'est les vêtements. Non, bah non, ils sont pas. Non, non, ça va en fait. Non, ça va. Franchement, ça va. On va faire ça. Tiens, je t'avais lu ça. Je sais même pas si on peut le lire. Oui, on peut le lire. Bah tiens, nouvelle mémoire. Ils avaient essayé de bricoler une attelle de fortune pour la jambe du patient. Ça ne servait pas à grand chose et il souffrait beaucoup. Les crocs du loup avaient atteint l'os qui était d'ailleurs visible. Oups, pardon. C'est pas échappé. Hein. Je peux recycler ça. On va boire une tisane et on va dormir le plus possible. Voilà. Alors, ce qu'on va faire de notre côté, je sais pas en gros ce que je vais faire pour. Je vais voir un peu. Je
si on prend tout ça. Là, on avait déjà tout pris. Le bois, honnêtement, peu importe, j'en ai déjà de trop. Honnêtement, j'ai des flèches partout. À la limite, on pourrait en prendre un ou deux, quoi. Ça, on prend. Genre, on avait dit que peut-être un pied de biche. À la limite. Alors ça, c'est pour faire des explosifs et tout. C'est vrai qu'on n'en a pas tellement besoin, mais le laisser là, c'est pas super intéressant. Une bombe de peinture. Quoi ce bruit là? C'est parce que je suis, j'ai en douleur et ça fait un bruit bizarre. Ah, c'est horrible. Le va-et-vient du vent là, c'est horrible. Ça, c'est parce que je crois que j'ai de la douleur, c'est pour ça. Ok, l'eau potable, on peut en enlever. Oh mon dieu, c'est horrible ce vent là qui fait va et vient comme ça. Les fusées, je pense pas qu'on en ait besoin. L'ouvre-boîte. Je sais pas si on en a de l'ouvre-boîte. On en a un. On est à 50 kilos, ça ferait 45, ça fait 50 sur 45. C'est pas énorme. Honnêtement, c'est pas énorme, ça va, je suis content. Ouais, on va prendre tout ça. Je pense qu'on va prendre tout ça. Alors après, maintenant, je vais décider la prochaine fois. Est-ce qu'on fait un épisode où on rentre à la maison? Ou est-ce que je le fais hors épisode et après on se retrouve pour autre chose? Je sais pas trop en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Ça je sais pas vraiment. Donc je vais réfléchir. Parce que bon, si on rentre, honnêtement, ça va pas nous durer un épisode. Hein. Ça va être très rapide de rentrer. Et après il faudra tout déposer et tout ça. Ça va me prendre 20 minutes de le faire. De faire ça. Donc ça c'est pas super intéressant. Donc je vais peut-être rentrer seul. Et après, qu'est-ce que... Ah oui, mais c'est vrai qu'on a d'autres endroits peut-être à fouiller un peu. Ah, peut-être qu'on pourra faire un épisode pour rentrer, à la limite. Ouais. Par contre, il me faudra des... Attendez, alors déjà le tissu, là, ça serait bien de... recycler. Faire des pansements, mais il me faut des antibiotiques, surtout. Enfin, des pansements... Jupiter là. J'en ai plus qu'un. Donc ça il faudra que j'en prenne. Il y en a sur le chemin sûrement. Bon on va s'arrêter là en tout cas. On va s'arrêter là. Je vais réfléchir pour ce que je fais la prochaine fois. Parce que dans un sens j'ai envie d'attendre un tout petit peu aussi pour voir si la mise à jour va pas sortir. Comme ça, si jamais la mise à jour sort, je vais me préparer et tout ça, et puis on foncera dans la nouvelle zone et tout ça. Donc ouais, on verra un peu ce qu'on fait, on verra un peu ce qu'on fait. Donc, par contre, là, je vais full me soigner, comme ça, on sera nickel. On va prendre... Donc ça, c'est des vieilles tisanes, donc on prend celle-là. Et on va prendre un régène aussi. J'en ai qu'un seul sur moi. Ah, c'est pas grave. Ça, c'est renouvelable, comme on avait vu. Voilà, nickel. Et on dort. On va manger au maximum. Là, une dizaine d'heures de sommeil, ça devrait bien nous mettre. Ça devrait bien nous mettre. Allez, on va faire même maximum 12 heures. Allez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.